encore moi. Je ne résiste pas au plaisir de faire une nouvelle vidéo très courte, très légère, mais bon. Eh bien, vous n'avez plus Pierre Calmar devant vous. Vous avez un danseur espagnol. Olé, façon Manuel Valls, Lolo Montos. Ah, mis en scène par Max Ophuls. Sa beauté mûre et mâle, mise en valeur par le grand cinéaste. Christian Matras, peut-être, comme directeur de la photo, Robert Lefebvre. Voilà. À tel point que plus je vieillis, plus je me trouve séduisant, parce que j'aime bien les vieilles croûtes, moi. Et oui, j'ai toujours aimé les vieux. Les vieux, pas trop mal conservés quand même, mais enfin, s'ils n'ont pas au moins 40 ans, moi, ça marche pas. Hein. Et du coup, je me prends moi-même comme objet d'amour. Je m'aime moi, parce que je me plais de plus en plus. Plus je vieillis, plus je me plais. Et d'ailleurs, j'ai gardé mes cheveux blancs, là. Par moments, j'aime bien changer de couleur, ça me change de tête, mais là, j'ai envie d'assumer. Ça me plaît bien. Je me plais bien en vieux. J'aime bien être vieux. C'est vrai que j'ai toujours fantasmé sur les vieux, à condition qu'ils soient pas trop trop gros, qu'ils aient quand même une allure présentable. Et voilà. Et dire que je suis, comment dire, égocentrique, comment on peut dire ça, narcissique, obnubilé par moi-même, imbu de moi-même, bah, c'est la vérité. J'ai toujours été comme ça. Et le contraire aussi. En fait, j'ai les deux phases. Soit je suis complètement centré sur moi-même, je serais capable de m'admirer pendant des heures. Oh, c'est terrible. Bon, bref. Et, ou alors complètement centré sur l'autre. Je n'ai pas de milieu et j'alterne ces deux phases. Effectivement, cher admirateur qui me déteste, qui me détestait tant, et oui, vous avez bien compris, mais tout le monde l'a compris que j'étais complètement égocentré et que j'étais imbu de moi-même, effectivement, hein, et imbu aussi des autres, hein, alternativement. Mais vous ne vous enfoncez des portes ouvertes, hein, vraiment, tout le monde l'aura compris. Voilà, je vous laisse admirer ma nouvelle coiffure. Je me coupe moi-même les cheveux. Il y a peut-être des petits trucs qui dépassent parce que je le fais avec un miroir. Et bon, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Je bois. Moi, ça ne me déplaît pas. Moi, j'aime bien. Je dis, j'adore les vieilles croûtes. Bon, je ne leur dis pas ça. Hein. Quand j'essaie de faire des rencontres sensuelles, je ne les traite pas de vieilles croûtes, rassurez-vous. Voilà. Voilà. J'ai honte de dire ça, je me ridiculise, je sais, mais je peux pas résister. Je peux pas résister. J'aurais dû faire acteur comique, je crois. J'étais vraiment sous les traces de Martine Carole et de Louis de Funès. Vraiment, sont mes deux modèles en matière de comique. Qui sont un tel génie que j'aurais envie de leur ressembler. Je crois que j'ai raté ma vocation. Une personne qui me disait ça, que j'aurais dû faire du théâtre à l'issue de mes vidéos, c'était d'ailleurs un commentaire un peu ironique, mais elle avait raison, je crois. Elle avait raison, j'aime bien être mis en avant, finalement, pas trop, enfin, les deux. J'aime bien être carrément dans l'obscurité ou carrément sous les lumières. J'alterne. Enfin, voilà, j'arrête, hein, je suis trop égocentrique, là, je ne parle que de moi. Allez, bonne journée.